gauche. Par contre, ils ont fait le truc où tu peux voyager quasiment à n'importe quel moment d'une planète à une autre. Ouais. Donc forcément, tu t'imagines bien qu'il y a des trucs sur une planète que tu ne peux pas faire parce que blablabla, t'as Oui, pas le bon bah pouvoir ou Metroidvania débloqué. quoi. Voilà, et en gros, tu passes pas mal de temps à revenir d'un truc à un autre. Sachant que les trois quarts, soyons honnêtes, c'est un peu du cosmétique. T'as des Ça. trucs qui augmentent ta quantité de force et quantité de vie, bien sûr, mais les trois quarts, ça va vraiment être. Et sinon, il y a trop de balles magiques qui a envie de te Ouais, terrasser je. sur un jeu. C'est pas Iradeus, tu sais, c'est Iradeus. Tu con. Attends, on était où? Ah oui, c'est vrai, j'étais avec Coltrane. Je m'en rappelais plus. Oh non. Attends. Bah écoute, Ah trou oui. de balle magique, si t'arrives à trouver un jeu où je peux te défoncer, why not? Why not? Mais Bah il sert à perdu. rien, le Coltrane, il sert à rien. Putain, il m'a regardé me faire manger. Bon, attends. Je vais te piquer ça. Non, ouais, non, en fait, je peux, ouais. Tous les jeux, je te soulève, moi, je dis. Oula, attention. Il y a de la prétention là. Oui, enfin, voilà quoi. Bon, il vient le machin? Une larve en bouillie. Donne, Marcus est Oh, touché. MG. Ok, la tronçonneuse qui s'est jamais remis. Rocket League. Je sais même pas si j'ai encore installé ce jeu. Fin de live sur Rocket League. Fin de live sur Gears of War, please. Y a pas de Rocket Bah League non, sur on a ce fait le jeu stream. dans 10 minutes quand même. Trop facile ce jeu. Bon, pourquoi je suis keblo par un sac de patates là? Ah, j'ai loupé! Ça te dit un brolala, Iradeus? Qu'est-ce que c'est ça? Un brolala? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un bro quoi quoi? Donc apparemment, Trou de balle magique a décidé de définitivement sombrer dans la drogue. Hein. Déjà la dernière fois, il nous a sorti des photos d'oreilles et tout là. Je pense que on l'a perdu. Je sais pas, pour moi, le perdre, ça impliquerait qu'on a déjà assez vu où il était à un moment donné, ou... Ce genre de conneries, tu vois. Ouais, bon. Je sais plus tirer. Mais bordel de... Bon. Mais qui... J'arrive plus à jouer, putain. La Bordel de drogue. merde. Un Mais mets-toi à smash couvert, live. connard! Bon. On va pas s'énerver déjà dès le début du live, hein. Oh mon dieu. Oh, MG, vous commencez à me casser les couilles tout doucement, vous. C'est un smash light. Quoi? Tu sais, Trou de balle magique, je crois l'avoir déjà dit sur ce live. Mais ça sert à rien de mettre des liens dans le chat pendant que je joue, ça sert à rien du tout. Mais c'est pas pour toi le lien, c'est pour moi, espèce de Mais dupe. tu joues aussi, ça sert à rien. Ouais, mais moi je suis powerful, moi. J'arrive à faire deux choses en même temps, tu comprends? Et tu l'as fait? Qu'est-ce qu'il fait lui? Non, parce que du coup je vois de quoi il parle. Ah, tu vois ce que c'est, Brolala? Oui. D'accord. Il fait genre 40 mégas, donc pas d'excuses. J'ai légèrement envie de crever. Mais... Alors, il dit que le jeu il fait 40 mégas, mais est-ce que tu l'as, Brolala? Ah mais moi non, je l'ai pas Ah moi. bah voilà, donc la question est réglée.
Mais... Le jeu a décidé d'être dissident, c'est pas possible. Bah j'avoue que... Il se passe des choses... Non mais parce que depuis avant je tire avec mon arc de bite là. Le machin il est sur l'ennemi et le jeu il me dit que ça touche pas l'ennemi. Qu'est-ce que... Connard. Donc YouTube, après l'épisode où on a galéré sa race à cause de moi, on va galérer sa race à cause de lui. Non mais là je vais me prendre une belle phase. C'est Baird qui m'a tué. Ah il bon. A mis une grenade sur une petite merde qui est venue me sauter. Sérieux? Oui. Ah excellent. Connard. Putain, je te jure, les bots quoi. Mais putain cool. Il se met devant moi quand je tire sur le sniper, ils sont dissidents, bonsoir. Qu'est-ce qu'il fait avec son bras? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh mon dieu. OMG. Il tire même pas, merde. Même pas il tire. Putain. Même pas il tire. Putain, c'est mort. Wow. Tu vas te calmer direct. Là. Oh mais... Et hop. Donc non, trou de balle magique, on n'en vaut pas de ton jeu là. Joli. C'est bon, ils ont tous crevé là. Cette bande de chiens de poubelle. Bleh. C'est bon, on peut y aller. Je vais faire du... Je vais train du M+, sur WoW à tout à l'heure ce brolala. Quoi? M+, sur WoW, c'est quoi encore ça? Master. Master. Mythical. Ouais, je sais pas. Je joue plus à ce un truc avec un M, quoi. Le site du crash est juste devant. Ah oui, putain. Ils vont sortir une extension l'année prochaine. J'ai déliré. À quel moment est-ce que tu vois que, qu'un studio n'a plus d'inspi? Si tu parles de Blizzard, ça fait un petit moment. La prochaine partie de l'histoire, c'est... le Lich King, là, le faux Lich King. Il se fait buter. Enfin, même pas, c'est même pas ça, il se fait pas buter. Il se fait piquer son casque par Sylvanas qui détruit le casque. Et en détruisant le casque, ça ouvre une dimension parallèle. Ils ont appelé Shadowland. Moi ce que j'aime bien c'est que ça fait pas du tout penser, tu sais, à un truc qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, enfin si longtemps que ça, ça va quand même. Où ils appelaient aussi ça le monde à l'envers ou le monde des ténèbres, tu vois. Avec Stranger Things, quoi. Ouais. Bizarrement ça faisait un peu penser à ça. Et en gros c'est le monde des morts, quoi. Monde des morts. Quoi? Donc je suis en train de me dire, en fait, tous les mecs que tu t'es amusé à fraler depuis le début, et là d'un coup ils vont revenir. Bravo bizarre. Parce que Shadowland quoi. Non mais ouais, j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est les mêmes gens qui vont faire Diablo 4. Je pense. Ouais. Ouais. Bon, non, c'est le portail entre le monde des morts et le monde des vivants, donc le retour du fléau. Ouais, bullshit. Hein, voilà. Bah oui, c'est bien ce que je viens de dire. Le monde des morts et le monde des vivants. Le monde des morts. Du coup, il y a moyen de revoir Arthas. Ouais. Lâchez ça, vite. Mais en version gros, vont... pas Lich King, quoi. Ils vont utiliser ça comme, plot twist pourri pour faire revenir tous les persos qu'ils auraient jamais dû faire mourir à la base.
ils sont bien choqués. Illidan. Bah, au final, bah non, Illidan en fait il est déjà revenu, tu vois. C'est ça le pire. Ok. T'avais pas vu Légion ? Non. Ok. Parce qu'en fait, dans Légion, il partait du principe qu'en fait, on l'a pas réellement tué, en fait, on l'a capturé et mis dans un cristal. Et donc, dans Légion, bah, il est revenu quoi. Oh, c'est nul. C'est zéro, putain. Celui avant Arthas, car c'est un peu de sa faute. Bah, non, c'est pas du tout de sa faute. Arthas, c'est un good guy. Surtout celui avant. Alors déjà de quoi tu parles, trou de bas magique? Je pense qu'il parle du fléau avant Arthas. Bah ouais, bon c'est le même fléau du coup, fléau ardent, tout ça, les démons. Pas 100% vrai, mais oui, vrai. Parce que de mémoire, le fléau ardent et le Lich King a été mis en place pour les garder enfermés dans leur dimension, c'est ça? Ouais, c'est ça. Prêt à partir. C'est que du coup, voilà, il faut qu'il y ait un Lich King parce que sinon, Olel breaks loose, tout ça. Bah justement c'est ça l'histoire, c'est que là vu que le casque est détruit, bah y a plus de Lich King. Oh my god. Donc en gros c'est la mort, tout le monde va mourir, c'est ça? Bah c'est censé être ça en tout cas, ouais. Ok. Mais de ce qu'ils en montrent, c'est pas tellement ça non plus quoi. Attends, on doit faire quoi là? Ouvrir la porte je pense. Oh bah. Essayez d'ouvrir la porte en tout cas. Ah voilà. Mais moi je kifferais bien de revoir Arthas là, bordel de merde. Ouais, enfin bon, Arthas prépubère de Warcraft 3, bof quoi. Une grosse fête. Bah, je suis pas sûr qu'il soit comme ça en fait, justement. Je suis en train de me demander s'il reviendrait pas en mode semi-possédé Frostmourne, tu vois. Ouais. Enfin, sans Frostmourne du coup, mais semi-possédé quoi. Et déjà, on dit morne-givre, ok? On est en France ici. C'est deuil-givre. C'est pareil. Non. Ça, et pareil, Warcraft 3 qui ressort en Freeforge là. Ouais. Bleh. J'ai pas envie de l'acheter, mais je sens que je vais le faire quand même. Bah, moi déjà, c'est sûr que je vais l'acheter. Hein. Je le dis. Hein. Parce que rien que rejouer au multi, ce serait excellent. Que du coup, avec des mods qui vont être magnifiques. Ouais. Ce serait grave cool. Et puis l'histoire de Warcraft avec Frozen Throne et tout. Ouais. Non, mais j'avoue qu'il y a moyen que ce soit vraiment classe. Ça me fait chier hein, parce que apparemment le gameplay il a pas changé du tout hein. Ah non mais ils refont exactement le même jeu juste en plus beau. Ouais. Et c'était un headshot ça, tu te fous de ma gueule ou quoi? Moi par contre tu vois j'aimerais bien qu'ils fassent le même principe pour Diablo 2. Ils refont le même jeu mais en plus beau. Bah oh, alors dans ce cas autant qu'ils refassent le premier et le deuxième. Oui bah oui oui. Du coup oui. Parce que bon Diablo 3 et Diablo 4 ça s'annonce pas beaucoup mieux au final. Affirmatif. Ah non j'ai Oh putain celle-là je me suis baissé à la dernière frame avant de la prendre à gauche hein. Et toi qu'en penses-tu Chopiné? Lui il va dire Et il est. Est-ce que tu attends Warcraft 3 ou pas? Enfin le Reforge bien sûr parce que. J'arrive pas à lui tirer dessus lui. Moi j'y arrive. Mais. Meurs pas, hein. Oublie pas que c'est du one shot là. Eh mais sérieux, je tire dans le mur? Je vois pas le mur, mais je tire dans le mur! C'est quoi ces conneries? Oh putain, c'était quoi ces conneries? Putain, le nombre de balles que j'ai dû lâcher! Attends, je tirais au boltoc là. Hein. 300 555 balles plus tard, un mort quoi. Et déjà parti, Choupiné magique? Ils sont partis où, Cole et Berb? C'était dans la cinématique, ils sont restés avec les autres. Ah d'accord. Avec les blessés là. Je sais pas, j'ai pas. Situation désespérée. L'ennemi est partout. On dégage d'ici. Compris, faites gaffe. On se retrouve à la maison. Ce jour n'en finit pas. Ah. Moi, en prison, j'avais mes. Je me rappelle plus de cette zone, y'a quoi ici? Tu verras. Ah si, je crois que je me rappelle de cette zone. C'était quoi ça? C'est pour ça qu'ils nous ont donné un marteau du l'aube. Marteau de la daube. Ah. Oh, c'est sympa ici. Je reste ici, attire le monstre. Non, tu veux pas prendre.
C'est vrai qu'en fait, tu pourrais rester en haut et lui tirer dessus d'en haut. Ouais, mais je vais pas le faire, c'est moins marrant. J'essaie de produire du contenu dynamique quand même, hein, donc. On fait l'inverse, je vais en haut et. Bah vas-y. Contenu dynamique. Je me rappelais plus de ça. Oh merde, on peut pas sauter au-dessus des plantes. Ok, d'accord, c'est noté. Bon là, elle est unresponsive, elle bouge plus. Bon, tu fais quoi? Décide-toi. Continue ce poursuivre, c'est ton nom. Ah non, 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 je suis désolé, là on s'endort pas. Ah. Oh. Je vais taper dessous vite. Wow. Putain, c'est fini ces conneries. Mais pourquoi moi j'ai rien fait? Affirmatif. Mais putain. Il est où le rayon? Il y a un moment, faut lui faire péter les poteaux. Il s'est mis à couvert ce con. J'ai failli clamser. Parce que je pensais que j'étais en train de me reprendre une Gears 5 là. Mais putain de... Ah c'est bon, j'ai tout pété, ça te va? C'est miré si les rayons ils buguaient pas. Mais putain de bordel de... Mais c'est parce qu'elle passe dans une zone d'ombre, je pense. Ah, meurs, putain! Plus de rayons. C'est bon. Oula. Putain, j'ai bien cru pendant un instant qu'on avait deux rayons séparés quoi. Il est où le rayon? Ça aurait été trop compliqué. Jamais ça. Ok. Ouais, ça marche. Toulou. Prêt à partir. Attends, c'est comme ça que ça marche. T'as eu peur un peu quand même, hein. J'ai peur. Dirigez-vous vers la propriété de Phoenix. Oh dear lord. Ça
ça sent le boss. Ou le rush, ou les deux. Même pas peur. Je sais même pas si je peux te tuer avec, vas-y viens on teste. Mais bien sûr tu peux me tuer mec. Même pas ? Quoi ? C'est quoi ces conneries ? Genre ? C'est parce que tu t'en es jamais rendu compte. Mais Dom est en vibranium. Mais c'est pour ça qu'il meurt dans le 3. Oups, pardon, le divulgachi. Les divulgachi. Non mais en fait, s'il meurt dans le 3, c'est parce que justement, ils lui ont tiré dessus avec une balle en vibranium. Okay. Genre il meurt pas. En fait je suis sûr là le rayon de l'aube il est désactivé mais ça a bugué et on peut quand même l'utiliser, sûrement ça tue ou ça tue pas. Bah normalement il devrait être désactivé vu que le timer qu'on avait tout à l'heure c'était c'était à désactivation genre plus de lumière tout ça quoi. C'est là en fait on a fait bugger le truc là, quand même. Ce serait génial. Hein oh. Oh. Ils ont spawn sur moi. Merde. Non, 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 ah non. Ah aïe. Est-ce que quoi? Pardon? Non. Oh, 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 oh. Oh mon dieu. Oh, j'ai vu ma vie défiler. Oh, mais... Ah. Tu les retiens, je les vaporise moi. Ouais ouais, on fait comme ça. Bon, voilà. Il est dead ? Il est pas dead ! Ah le survivant ! On voit bien que c'est pas le même rayon de l'aube que dans le 5, hein, parce que dans le 5 ça t'explose à 10 mètres de distance là. Moi je veux la même chose en vrai. Ouais. C'est bien pour péter des tibias en vrai. j'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui. Pas plus de boulot. Plus de travail. Voilà. Ils étaient pas censés rusher là ? Prêt à partir. Bah si, moi il me semble bien. En fait. Ah mais... non, peut-être pas ici. Je sais pas, non, il y a un truc qui me paraît bizarre là, je suis désolé, il y a trop de... Le satellite est inactif. Ah bon. Ah. C'est bien hein. Je viens d'avoir Marcus qui vient de recharger le rayon de l'aube. Genre comme s'il remettait un chargeur dedans, ça c'est beau ça. Ça le c'est jeu pas il mal. A full buggy en vrai là. Non pas du tout, je vois pas que tu parles. Sympa. Ce qui est bien, c'est qu'on a plus de satellites quoi. C'est-à-dire, normalement, on est limité par le soleil, mais là, on a plus de satellites. Regarde. Hein ? Oh putain ! Bouge de là. Ils sont où ? Mais putain ! Nouvelle version de la réduction de tête. Ah bah ouais là. Oh putain. Quoi ? Ah il était mort. Oh le relou hein. On est toujours en difficulté max là ? Ouais. Je sais pas, les mobs j'ai l'impression de leur mettre plus cher.
Allez, relance le jeu là, fais pas chier là. Justement, je suis en train de regarder. Non, bah apparemment, je sais pas. Ah, ce petit cri de rage. Ah oui, oui, non, 100%, on est encore en mode peur. Oh, oh, t'es où? Il est mort où? Il est... J'étais... Ah, oh mon dieu, j'étais juste à côté de toi. T'as le mec qui fait le tour de la fontaine, mais dans le mauvais Bon, au moins, maintenant, on est sûr qu'on est en difficulté max, tu vois. Regardez ça. Hein? Oh putain! Il avait une arbalète l'autre là-haut? Oui. Ah d'accord. Aïe. Merde. Mais reviens là, connard! Putain, le bâtard. Chargez les armes. Mais non, mais je veux pas cette merde. Rends-moi mon lanzor. J'étais derrière le mur. Oh, toi, tu vas... Ah, putain de merde. Spawn campé. Moi je t'ai pas vu le tuer, je t'ai vu tronçonner le vent. Oui, moi aussi j'ai vu beaucoup. Le vent saignait beaucoup. Ouais. Il est où le boomer? Il est juste là. Wow. Moi je m'aimais pas avec toi. Boom. Tu vois ce qui est bien, c'est qu'en fait quand tu... Quand je t'entends dire ce qu'ils disent en français, en fait, ils sont tellement plus intelligents en français. Ouais, bah ils disent bien des hominidés, tu vois. Ouais, mais tu sais, voilà. Alors que en anglais, ils disent même pas des ou quoi, c'est juste humans. Et les mecs disent quand même boom. Ah, oh, je déteste ce bruit, ce son, c'est une agression auditive. Boum. Mais non, le... Ouais, mais oui, forcément. J'ai pas envie d'aller par là. Moi non plus. Viens, on va par là. Et là, le truc, il se réveille et boum, il nous gobe. Wow. Putain. Espèce de petit bâtard. La voie est libre. On était bon. Putain, ça aussi faudrait qu'il aurait mis le sort. Ouais. On était bon. J'avoue. Oh putain, ça serait tellement... J'avoue que ça serait pas mal. Chaos Theory en remastered, reforged ou... Ultimate ou un truc comme ça. Oh, il m'a lancé son fusil à pompe. Bah, et c'est un bon gars. Ah ouais, carrément. Good guy Theron. Aïe. Bleu. Mais ah ouais, non, moi ça me ferait trop kiffer quoi. Ouais, j'avoue. Oh putain, il m'a loupé avec son coup de feu, con. Mais c'est quand même triste de se dire qu'on est en 2019 pour avoir envie qu'ils font des remasters de vieux jeux. Oh putain, j'ai eu l'impression que c'était toi qui me tirais dessus. Je me suis dit merde, il me fait des dégâts, c'est nouveau ça. Oh putain. Il y a plein de jeux que j'aime. Un boomer. Oh non, il a dit Groundwalker. Ouais, bah Groundwalker, c'est pas hominidé, tu vois.
Oui, mais je crois que c'est la première fois que je les entends le dire. Hein. Ah, t'inquiète pas, ça va aller. C'est qu'une roquette. Elle a eu plus peur de toi que toi tu l'as eu. Mais putain! Regarde, une petite tape sur la fesse et hop, on en parle plus. Il est pas mort! Il est mort! Ouais. Mais ouais. Putain. Faut qu'on envoie un message à Ubi. Ouais. Plutôt que de faire des jeux de chiottes, Ubisoft, fais ta remaster oui, de Castle. Alors, bah en plus, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Splinter Cell. Ouais. Bon, faut dire que les derniers n'étaient pas fameux, mais. Bah, ouais, vu qu'ils se sont éloignés du Splinter Cell et qu'ils sont allés vers un jeu d'action pur et dur, quoi. Ouais. Oh. Mais non, mais je kifferais trop me refaire un. En plus, c'était le seul qui était réellement en coop, hein. Ouais. Enfin, où il y avait vraiment des missions à faire en coop et pas juste un truc de beat en mode truc de beat, quoi. Ouais. Mais elles étaient cool, les missions, en plus, je m'en rappelle. Oh, elles étaient tellement dures. Oui. Enfin, ça, c'est parce que je jouais avec toi, hein, surtout. Mais, Bah oui, évidemment. Mais j'ai mais je l'avais pas vu, lui. Putain, YouTube, merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dans le prochain épisode. Salut.